J'espère que vous allez bien. Il est présentement jeudi matin, il est 7h40 et on est prête à partir. Oui! Dis bonjour! Bonjour! Tu dis bonjour? Allô! Fait que ouais, on se prépare pour aller à la garderie. Là, je voulais vous installer quelque part, mais sans avoir à laisser le truc là. Juste pour... Bon, l'oreille, j'ai appuyé sur le bouton. C'est pas grave. Je vous laisse... Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 4h20 et je suis à l'arrêt des TP. On peut voir un peu, j'étais en train d'attendre mon autobus. Ça paraît tellement qu'on s'en va vers l'automne, c'est là, ben on est déjà l'automne, mais qu'on s'en va vers l'hiver. Il fait tellement froid, puis là, depuis que j'ai plus de voiture, ben, je suis obligée de voyager en autobus. Et mon autobus devrait passer vers 4h27. Aujourd'hui, ça a quand même été une belle journée, puis j'ai un peu mal au pied, mais c'est moins pire que la semaine passée. Puis aujourd'hui, c'est passé officiellement une semaine que je suis rentrée à ma job. Si vous pouvez constater, c'est juste là-bas, pour ceux qui le savent. J'ai Eugène Allard, c'est là que je travaille. C'est une compagnie qui vient du Saguenay. Fait que, comme je vous dis, si vous êtes résident de Québec, puis vous aimez la cuisine, que vous magasinez des choses, puis que vous allez là-bas, ben dites-moi là, puis venez me dire coucou, ça va me faire plaisir. Demain, je travaille de. Le premier, c'est une semaine avant ce vlog-là. C'est pas au. Malheureusement, c'est pas au jour le jour. Mais mon horaire change pas tellement. Là. Je fais demain, puis samedi. Pour l'instant, demain, je devrais avoir mon horaire pour la semaine prochaine. Fait que je vais me préparer pour aller. Pour attendre mon autobus. Ça devrait bientôt arriver. Puis, mec, quand je suis dans l'autobus, je vais m'écouter des émissions ou peut-être faire du montage de vlog. Avez-vous vu les gros nuages en arrière? Hey, je veux aussi dire toutes mes prières à ceux qui sont en Floride en ce moment. Je sais que les derniers jours sont vraiment pas faciles pour eux autres. Avec l'ouragan Hélène puis l'ouragan Milton. Ils ont tellement fait des ravages, puis c'est tellement terrible. Vraiment, depuis hier soir que je regarde des vidéos, puis ça me fait peur. J'ai peur qu'un jour ça nous arrive. C'est sûr qu'un jour peut-être ça va nous arriver avec le changement climatique et tout. Mais c'est vraiment terrible. L'eau qui s'accumule, les vents qui déchaînent tout, ça arrache. Les familles qui perdent leurs enfants. Puis moi, je les ai pas vues les vidéos. Mais il paraît que les parents écrivent au marqueur permanent le numéro de téléphone sur leur enfant au cas où il perd, au cas où il arrive quelque chose. Fait que c'est vraiment là. Surtout que c'était un ouragan de catégorie 5. C'est que c'est l'enfer, c'est extrême. Là. C'est le top des tops des ouragans. Puis moi, ça me rappelle que quand j'étais en croisière en 2006-2008, j'étais en croisière. Puis on contournait l'ouragan Aiga dans le temps. Puis c'était quand même assez intense à bord du bateau de croisière. Mais là, ça, c'est encore plus pire. Hein. Vraiment. On a quand même des répercussions de ça avec les vents, la pluie et tout. Fait que moi, c'est juste pour vous donner une petite mise à jour de ma journée. Puis en arrivant à la maison, je vais arrêter vite vite à l'épicerie. Peut-être acheter de quoi pour souper, c'est de la viande ou des trucs en spécial. J'aurais peut-être envie de manger des hamburgers ou manger du steak haché, mais je sais pas si. Le steak haché est en spécial, et je sais qu'il y a des rabais qui commencent aujourd'hui. Hey, checker les nuages. Mais c'est drôle parce que hier, en fin d'après-midi, quand j'ai regardé les nuages avec ma fille, j'ai dit, hey, Amélia, check, les nuages commencent en spécial. On dirait qu'il va y avoir une tornade ou un ouragan. Tellement que c'était quand même assez intense. Les nuages n'étaient pas en entonnoir, mais pareil, c'était noir foncé, comme si il allait avoir un orage. On a juste eu de la pluie, mais pareil, c'était quand même assez intense. Regarde ici les nuages. C'est super foncé. C'est sûr que la Floride était quand même un méchant bout d'ici, pareil. Puis, ça arrive-tu? Je t'avais eu de mettre ma tuque mitainement.
J'ai sorti mon manteau de printemps, puis je pense qu'avec ma paye la semaine prochaine, ça va rusher d'aller me chercher mon manteau d'hiver. Il est quand même chaud, mais c'est pas le plus chaud des manteaux. Il est bas, il est chaud, hein, mon soir. Puis j'espère qu'il y a un chargeur dans l'autobus parce que j'ai pas pu charger mon shell aujourd'hui. J'aurais dû le faire charger dans l'autobus ce matin. Fait que moi je vous laisse et on va s'en parler plus tard. Allô? Tu veux dire allô? Allô? Allô les mamies? Allô? Allô, 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 allô? Tu veux dire allô? 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 On monte l'épicerie. Du feta. Un essai de pomme. Des framboises. Deux essais de pomme. Du fromage. Pour faire des nachos, des framboises, trois essais de pommes, quatre essais de pommes, un tata, ouais, un tata.